merveilleux des yeux. Rose, ne s'intéressez pas à la lune. Elle aimait les étoiles. Un jour, quelqu'un lui dit que les étoiles étaient rondes. Et elle souhaita qu'on ne lui eût pas dit. Son chien, Amour, ne s'intéressait pas à la lune, non plus. Il ne remarquait jamais les étoiles. Non, il ne remarquait vraiment pas la lune. Pas même quand elle était toute ronde. Il aimait les lumières des automobiles et leur va-et-vient. Cela l'excitait, le faisait même aboyer. Amour n'était pas un aboyeur. Eh bien, un jour, ils étaient dehors, le soir, dans une automobile, Rose et Amour. Et les lumières de l'automobile étaient allumées. Alors, qui pourrait écouter le brillant clair de lune? Pas Rose, ni Amour, ni le lapin. C'était un petit lapin, il était là. Juste en face et dans la lumière. Et on aurait dit qu'il le faisait exprès, mais il n'y pouvait rien. Pas lui, pas le petit lapin. Bob, le père de Rose, conduisait. Il s'arrêta. Mais ça n'aida pas le petit lapin. La lumière est brillante et tout ce qui est brillant trouble un petit lapin qui n'a pas l'habitude. Aussi, le petit lapin dansait d'une lumière à l'autre. Il ne pouvait jamais trouver le bon chemin. Bob, le père, dit « Laissez sortir Amour. Peut-être aidera-t-il le lapin à s'enfuir. » Aussi, il essaie de sortir le chien blanc, Amour. Il vit d'abord la lumière. Ensuite, il vit le lapin. Il se dressa pour dire « Comment allez-vous » Au lapin, Amour était comme ça. Et lorsqu'il dit « Comment allez-vous » le petit lapin oublia tout de la lumière qui était brillante. Il vit là simplement cette lumière. Et Amour, le chien, Amour, il courut après lui. Voilà toute l'histoire. Ciel, ciel, ciel. Et puis la plume de fer. Quand, oh quand, petite plume de fer, dit quand, n'y aura-t-il pas ce petit lapin? Rose fendit en larmes. Elle le vit. Elle fendit en larmes. Un peu plus tard, on décida que Rose devait aller à l'école. Oui.
avancer de montagne. Et au bleu, quand il était sur les montagnes. Et aux plumes, quand des nuages, comme des plumes, étaient sur les montagnes. Et aux oiseaux, quand un petit oiseau et deux petits oiseaux et trois et quatre et six et sept et dix et dix-sept et trente et quarante petits oiseaux venaient tous voler et un grand oiseau vint voler. Les petits oiseaux vinrent voler. Ils volèrent plus haut que le grand oiseau et ils descendirent et un et puis deux. Et puis cinq, et puis cinquante vinrent becqueter la tête du grand oiseau, et lentement. Le grand oiseau vint s'abattre entre les montagnes. Et si ça ne s'était pas passé sous une montagne? Et si ça n'avait pas été une chaise là où elle était? Elle ne s'en serait pas. Mais elle ne courait pas, elle ne court jamais. Elle n'avait pas de boîte de conserve. Elle n'avait pas faim, on ne sait jamais. Mais si elle restait debout, elle avait peur. Oui, les lézards, oui, les chats, oui, les vaches, oui, les arbres, oui, les éraflures, oui, les bâtons, oui, les mouches, oui, les abeilles, oui. Mais pas une rose avec une chaise. Tout ce qu'une rose avec une chaise peut oser, c'est simplement de ne pas fixer son regard, mais de continuer à monter. Elle le fit. Rose savait presque tout ce que l'on peut faire. Des tas de choses quand on parle. De la rosée, des lacs, des rivières, des océans, des brumes, des nuages, puis des chutes d'eau. La chose, quand on dit rose, c'était la nuit. Rose entendit ce qu'elle entendit. Cher petit oiseau, cher petit hôte, chère petite autre, pas la rosée, pas le moins du monde, mais une loutre de mer brune, une longue loutre de mer, et Rose dit, pas vous, non, pas vous, vous ne pouvez brune. Pas me faire peur, non, pas vous. Noir, plus noir que dehors. Elle vit, elle ne savait pas, mais c'était ainsi. Elle vit ça derrière la chute d'eau, cette lumière trop froide. On savait exactement comme s'ils avaient été avec des cheveux sur une chaise. Ça disait, oh mon Dieu, ça disait. Diable, 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 diable,
oublia l'aurore, oublia l'aurore rose, oublia le soleil, oublia qu'elle n'était qu'une et toute seule. Et là, elle devait graver, graver, graver avec soin les coins des O, des R, des S, des E dans une rose. Est une rose, est une rose, est une rose. Enfin, bon, bref. Était-ce encore l'aurore? Y avait-il un soleil? Bon, de toute façon, à la fin, on était loin du début. C'était presque terminé. Et elle entaillait le dernier rose. Et juste à ce moment-là, bon, juste à ce moment-là, ses yeux se détournèrent. Ils étaient ronds de surprise, d'effroi. Sa bouche était ronde. Parce qu'elle voyait sur un autre arbre, là-bas, que quelqu'un avait été là et avait gravé un nom. Et le nom, mon Dieu, le nom était le même. C'était Rose. En dessous de Rose, il y avait Willy. En dessous de Willy, Billy.